Ok, donc on est ensemble pour une petite découverte de la PS5 et on commence avec, bah évidemment, avec Castro's Playroom qui vient de se finir de se télécharger et salut Fou de Loup qui pense encore que c'est un fake. Oui, j'ai record une vidéo d'un Roumain sur YouTube que je suis en train de diffuser évidemment. Donc j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le micro passe bien parce que c'est un micro. Alors c'est pas le micro de la PlayStation, c'est pas le micro du contrôleur, c'est un casque que j'ai branché directement sur le contrôleur et bah, l'avantage c'est quand on a un micro casque, en fait il prend en compte directement le micro du casque, donc c'est assez cool en fait. Donc on va commencer tout de suite par les gâchettes adaptatives. Alors, ah oui, ok d'accord, je comprends. Je comprends mieux. Ok d'accord. Donc il y a une petite résistance là, au tout début en fait on arrive sur un mur et dès qu'on pousse un peu en fait. On a une résistance, c'est pas mal en fait. Ouais, c'est pas mal du tout en fait. Ouais, c'est pas mal. Alors, le pavé tactile, hein. Ok. Bon, ça, c'est rien de plus ou de moins que sur la PS4, hein. Mais au moins, c'est toujours présent. Capteur de mouvement. Alors, le capteur de mouvement. Ok, d'accord. Capteur de mouvement. Alors, en fait, ceux qui ont. Les courageux qui ont joué à One Two Switch, sur One Two Switch, il y avait un jeu qui était assez ouf pour montrer les capacités haptiques de la manette, dans lequel on devait deviner combien il y avait d'allumettes dans une boîte ou combien il y avait de billes dans une boîte en secouant la boîte. Et en fait, le contrôleur de le Joy-Con, en fait, les retours haptiques de la Joy-Con permettaient de savoir combien de billes à peu près il y avait dans la boîte. Et là, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des petits robots dedans. Et on les sent quand on secoue la manette en fait. C'est assez rigolo. Donc ça se rapproche un peu de ce que fait la Wii en fait en termes de retour haptique. C'est plutôt cool en fait. Alors le microphone. Voilà. Ok, d'accord. Donc il faudra gueuler dedans pour faire quelque chose, j'imagine. Et alors, donc pour ceux qui veulent savoir, il y a Demon's Souls qui est en train de s'installer, et puis ensuite je vais installer Sackboy. Alors, je vais vérifier que vous m'entendez bien sur le chat. Est-ce que tout va bien pour vous? Je me demande si c'est ok. Ben, hein? Original DMS. Eh oui, bah oui, qu'est-ce que tu veux? Alors, donc là je peux bouger la manette, ok. Ok. Ah, je vais baisser un peu parce que j'ai des sales reflets. L'inconvénient d'être exposé, d'avoir une exposition de malade, c'est qu'on est un peu embêté. Hop, je vais fermer ça aussi. Voilà. Alors, le micro est pas ouf, mais ça marche. D'accord, ok. Mais là, en tout cas, c'est pas le micro de la manette, c'est vraiment le micro de mon micro casque. C'est un micro casque de bureau, hein, donc c'est pas non plus un micro casque de ouf. Hein. J'essaierai plus tard de. J'ai un adaptateur qui me permet de brancher mon DT770 et mon mode mic. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas retrouver cet adaptateur et voir si ça marche. Ce serait cool si ça pouvait marcher. Entre guillemets, out of the box, sans manip particulière. Donc, oui, X. Ah oui, ok, d'accord. Cool. Alors, on sent les petits retours haptiques. Bon, c'est léger, hein, mais ça se sent. Alors, c'est quoi ça? Ok, d'accord. Alors, comment on attrape ce truc-là? Avec carré? Ok. Ouais, toujours pareil, on sent la petite résistance, hein. On sent les retours haptiques, c'est assez chouette, quoi.
Ouais, je vois qu'ils ont fait des efforts pour la spatialisation du son, parce que même avec un micro-casque... bon, alors c'est censé être un micro-casque professionnel, donc c'est pas non plus dégueulasse. Mais on sent en tout cas que le son vient de gauche et de droite, alors j'ai pas encore l'impression de 3D. Mais il y a quand même un effort qui est fait, en fait. Ah, j'ai pas vu le chat, alors comment on peut voir le chat? Hop. Je sais pas comment, les options de chat, ça fait quoi? Non, je vois pas. Je sais pas comment on fait pour afficher le chat dans Twitch. Je sais pas ce que tu m'as dit. Je sais pas si vous entendez le... Il y a les agents de mairie qui sont en train de... de découper je sais pas quoi derrière, donc j'espère que vous entendez pas les bruits extérieurs, en fait. Donc là, labo PlayStation, ok. On a quoi là-bas? Alors en tout cas, le son est chouette, en fait. On entend vraiment, quand on passe sur les petites surfaces, on a des comportements différents. Jungle du CPU, et y'a quoi là? Y'a rien. Et ici, c'est quoi? Station climatisante. Bon, on va commencer par le laboratoire PlayStation. Hein. Allez, soyons fous. J'ai vu qu'il y avait un truc là. Ah. D'accord, trophée obtenu, très bien. Et bien. C'est mon premier trophée PlayStation depuis très longtemps. Ouais. Oh. Ah, zut. On va aller là-bas, j'imagine qu'il y a un truc là-bas. Wow. Et c'est perdu. C'est un échec critique. Ah, mais il y a un truc en dessous là. Il y a un truc là? Non, il y a rien. Il y a quoi d'autre en bas là? Une pièce de puzzle. Si on peut courir en fait dans ce jeu, ça a pas l'air. Bon, on va aller finir ce truc là. Circuit SSD. Ah oui, il y a ça aussi, d'accord, ok. Prairie de la RAM.
Oui. Alors, finissons ceci. Ça, j'avais déjà vu, hein. Non, même pas, j'avais pas vu. Ouf. Il y en a des trucs en fait ici, hein. Bon, eh ben, on a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir là. Alors, on commence par quoi? Par ceci là. Labo PlayStation. Allez, ça c'est les chargements qui sont assez... c'est les démos des chargements rapides. Les chargements rapides. Ah, donc là... Ah, le petit coin-coin. Le petit coin-coin de la PS3. Qu'on fait avec ça? Ouais, on appuie. Je sais pas trop quoi faire avec ça. On doit pas avoir encore de trucs, c'est pour ça. J'imagine. On peut pas encore avoir le droit d'aller chercher des choses là-dedans. Ça doit être là où on va chercher les goodies. Hein. En tout cas, la résistance sur les gâchettes... c'est étonnant. Et en fait, je me demande combien de temps ça va... Qu'est-ce que ça va donner au final? Combien de temps ça va tenir, en fait? Parce que c'est vrai que parfois, on a tendance à appuyer comme un malade, en fait. Donc je me demande trafic de données, la carte, d'accord, trafic de données, allez, go Astro, go. Ah oui, d'accord, ok. Donc là on vise et on tire. On tire avec quoi? Ah, avec la surface tactile, d'accord, ok. Oh. D'accord. Il y a des mobs ici? Non, il n'y a pas de mobs. Ok. D'accord. Alors, avant de continuer, je vais juste
faire une toute petite pause. Alors pour revenir au menu, c'est ça. Voilà. Je fais une petite pause. Voilà. Je vais juste retirer le disque de Demon's Souls et mettre un autre jeu. On installe, hein, comme ça, on perdra pas de temps. Après, je reviens tout de suite. Ok, c'est reparti. J'ai mis Sackboy. Ah ben. Copier. Oui, copier. Copier, c'est installé. Hein. Est-ce que copier, c'est installé ou pas? On va dire que oui. Hein. On va dire que oui. Alors pourquoi tu veux pas le copier? Ah, une erreur s'est produite. Eh ben ça commence bien, tiens. Le disque de Sackboy serait-il illisible? Je reviens. Ah, il a juste mis un peu de temps à le copier, c'est ça, c'est bizarre. C'est étrange. Bon, on va le laisser travailler. On retourne sur un Astro. Salut Canardo! Alors là, j'imagine qu'il faut viser là-dedans. Hein. D'accord. Ok. Il faut concentrer ses tirs. La jolie épée de Cloud. Je passe entre ces gus, j'imagine. Spécialisation, après vraiment je peux pas dire que ça soit de l'audio 3D parce que je pense pas que mon casque soit assez efficace ou une empreinte stéréo assez importante pour pouvoir le générer correctement. En tout cas il y a du boulot qui est fait au niveau du son, ça c'est certain. Et voilà, comme je vous disais, j'essaierai avec mon DT770 un peu plus tard dans la journée. Lui, je pense qu'il est fait pour, en tout cas qu'il est ce qu'il faut.
Ah oui, je peux les écrabouiller. Ça c'est mignon ça. Les petits effets là, sur le vert, ils sont mignons. Et même les effets de lumière, ils sont mignons. Ça a l'air un peu naze, ben ouais, enfin c'est gentillé quoi. C'est vraiment pour découvrir la manette. Hein. Caverne en cache. Après ça a l'avantage d'exister quoi. Alors. C'est quoi avec ça Ah oui, on oriente avec ça, ok, d'accord. Avec les motion controllers. Après, ça marche bien, hein. Ça marche très bien. Ça permet de patienter avant de se lancer dans un gros jeu. Ah j'ai un truc là. Un artefact. Youpi. Je suis content, j'ai un multitap PS2. Peut l'agrandir. Souvenir. Pour se taper les barres. Bah écoute, un jeu gratos sur la console qui a l'air en plus pas dégueulasse. Enfin, du moins en termes de... C'est pas juste une petite démo de 30 secondes. Bah écoute... Et pourquoi pas. Enfin, c'est sûr qu'on va rapidement passer sur d'autres jeux, mais... Alors j'en ai d'autres aussi que j'ai... qui sont pas en disque, mais je les installerai tout à l'heure. Donc là, en disque, qu'est-ce que j'ai? J'ai Dirt 5, j'ai Sackboy, Miles Morales, la version ultime. La version ultime de Miles Morales, donc avec le remaster de la version PS4. Et puis j'ai Demon's Souls. Et ensuite, en version clé, j'ai Observer System Redux, qu'on essaiera tout à l'heure. J'ai DMC5. Et j'ai WRC9 aussi, qui a priori a des retours haptiques assez importants. Donc les vibrations, t'as l'impression que ça change vraiment la donne ou c'est juste un gimmick qui sera vite oublié. Alors, les vibrations, pour te donner en fait un ordre d'idée, entre les vibrations de la manette Xbox One et celle-là, c'est comme quand tu achètes un nouveau téléphone et que tu viens d'un vieux Galaxy S de 2000 et quelques, tu vois. C'est-à-dire les vibrations, les retours haptiques, ils sont bien plus, je sais pas comment dire, ils sont bien plus fins, bien plus propres qu'avant en fait. Moi, ça m'a fait cet effet quand je suis passé, sur le Pixel 3 XL en fait, d'avoir des vibrations haptiques qui répondent du tac au tac quoi. Et c'est cet effet-là que ça me fait en fait. C'est-à-dire que j'avais été à l'époque, moi j'avais été agréablement surpris par les vibrations de la manette. Xbox One, surtout sur Forza à sa sortie, c'était vraiment le jeu référence. Et là, je trouve que c'est pas mal. Ça, voilà, c'est un peu cet exemple-là de. Est-ce que je peux le tuer là? Non, je peux pas. Je pense pas. Non, je peux pas le tuer.
Voilà, c'est un peu cet exemple-là, comme passer d'un vieux smartphone à un smartphone plus récent. On connaît la chose puisqu'on a des smartphones en fait, donc on le sait. On n'est pas surpris parce qu'on sait à quoi on s'attend en fait, et on sait ce qu'on a. Ça fait du bien de le voir dans des manettes de console quoi. Après, est-ce que ça sera un gimmick ou pas, surtout aux éditeurs tiers d'en décider en fait, parce que Sony eux, il n'y a pas de problème en fait, ils vont l'implémenter dans tous leurs jeux en fait. Ah oui. Sony, il n'y a pas de souci, ils vont l'implémenter dans tous leurs jeux, mais c'est surtout est-ce que les éditeurs tiers en font de même quoi. Parce que c'est eux qui seront vraiment qui décideront de l'avenir ou pas de cette feature quoi. Ouais, j'imagine que Sony, c'est un peu leur fer de lance sur la machine. Donc ils vont sûrement pousser pour que la grande majorité des jeux tiers. J'ai quoi là? Ah oui, il y a un truc en dessous. Pour que la grande majorité des jeux tiers en fasse partie, en profite, pardon. Je pense que c'est tout dans leur intérêt de pouvoir dire bah, sur PS5. Sur PS5. Sur PS5, vous avez ça quoi. Certes, vous avez un peu la même chose que chez Xbox, mais en plus, vous avez ça. Oh non, mais c'est pas vrai. Il m'a snipé là. Ce truc là, si je l'ai déjà pris, je vais pas le reprendre, hein, rassure-moi. Ah, c'est bon. J'ai déjà pris, ça le compte comme déjà pris. Bon, alors toi, est-ce que tu vas encore me sniper? Ouais, petit souvenir de Fantavision. Petit clin d'œil. Ah non! Ah non, quel crétin! Je savais qu'il fallait pas les toucher eux. Voilà. Alors ici il y a quoi? Pourquoi il y a ceci? Ah, c'est juste pour voir. Du Wipeout. Il y a je sais plus combien de références au jeu. Ils ont dit qu'il y avait beaucoup de références. Faut souffler, c'est ça. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. C'est débile. Non, c'est pas souffler. Ça marche pas. Mais non, mais c'est parce que ça souffle dans mon micro, c'est pour ça. Ah... Ça y est, c'est bon. J'ai chopé le truc. C'était juste pour avoir un casque? Non, je sais plus. Je suis désolé d'avance, hein, le bruit que ça fait. Allez. Ah... Voilà, c'est bon. Okay. En fait, c'est... Pour le coup, le micro de la manette est désactivé, c'est le micro de mon casque qui fait office de machin. Je suis désolé pour vous avoir cassé les oreilles. Il y a un truc là-dedans, hein? Non, il y a rien. Nouvel artefact. Un disque de jeu PS2, hein, avec la petite surface bleue. Hein.
Oh là, d'accord. Ok, intéressant. Alors, je fais juste une toute petite pause pour voir si Sackboy a terminé. Il en est où Sackboy? Il a fini. Alors, on va passer à un autre. On va en installer un autre et je reviens tout de suite. Et donc on passe à l'installation de Dirt 5. Alors est-ce qu'il lance son install toute seule? C'est une bonne question, j'ai pas l'impression. Hein. Il faut lui dire de copier le jeu. Il va falloir lui dire de copier le jeu. Est-ce que tu vas vouloir le copier, mon cochon? Ou est-ce que tu vas encore me dire qu'il y a une erreur? Une erreur s'est produite. Je sais pas pourquoi. Il a un peu de mal à copier. Alors, mon coco, vas-y. L'erreur s'est produite. Voilà, copie en cours. Ah merde. Copie en cours, c'est bon. Ouais, il y a un peu de mal, hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui fait que qu'il a du mal à copier les données. Truc là, mais je peux pas y accéder. Et c'est bon, on est fini. Ah. Il y a quoi là-haut? C'est quoi, c'est quoi la ref là? C'est Gradius? Pas la ref là.
Y'a pas un truc là derrière? Ah, ça donne quoi ton appart pour faire rentrer la console? Sans canapes. Oh mais ça c'était il y a longtemps ça. Et ben pour faire rentrer la console, ben elle rentre pile poil à côté de la télé. Je te ferai une photo tout à l'heure si tu veux. Que... Elle rentre vraiment. J'ai changé de télé aussi. Et elle rentre. Pile poil quoi. Oh non, barrez-vous. Alors, X. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la manette. Alors je sais que on arrive, hein, c'est Factor News, on a toujours un train de retard, donc on arrive bien sûr après tout le monde. Vous avez déjà dû avoir toutes vos réponses, mais en tout cas, bah, si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je sais même pas combien j'ai de batterie sur cette manette, ça serait intéressant de savoir. Non, c'est pas là. Je ne vois pas combien j'ai de batterie. Oh, c'est parti. Le point histoire de la manette, même si Astro Boy c'est le jeu de la triche, si j'ai bien compris. C'est le jeu de la triche. Appuie sur le bouton PS. Appuie sur le bouton PS. Ah oui, ok, d'accord. Bien vu. Accessoire. Ouais, manette sans fil, j'ai encore de la batterie. D'ailleurs, vous voyez quand j'appuie sur le bouton PS? Est-ce que vous voyez les... Non, vous voyez pas. D'accord. Alors, par contre, là... Ah. Est-ce que j'ai fait plantouiller le jeu? Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des trucs cachés par là? Est-ce qu'il n'y aurait pas des petits trucs cochés? En tout cas, pas ici. Et voilà, là-bas. Non, il n'y a rien de caché. Moi j'attends Bilou sur Demon Soul. Ah, ça va venir, ça va venir. Chaque chose en son temps, ça va venir. Là on fait vraiment Astro, tranquillement. Et ensuite on va passer aux choses sérieuses. Si possible, rapidement, en fin de journée. Qu'est-ce que tu veux voir rapidement ou en fin de journée? Je suis en réunion toute l'après-midi. Ah, Dark Soul, de Demon Soul. Aïe. Oui, mais il y aura des streams, il y aura des streams toute la journée. Il y aura... voir mourir sur Demon Soul évidemment, oui, bah oui évidemment. Oui, il y aura des streams toute la journée, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez votre quota de rage avant la fin de la journée je pense. Sachant que il y aura des streams aujourd'hui, il y aura des streams demain, on est quel jour, jeudi, il y aura des streams samedi, dimanche et lundi, et puis en attendant les tests qui viendront plus tard. Hop. Vous allez au moins avoir tout un tas de découvertes et tous les replays seront dispo sur Factor, sur le site. Oh putain, je savais. Ah bah très bien, il y a Wisebot qui me dit exactement combien de temps a duré le stream, ce qui est pratique.
Ah, il faut être... là. Nouvel artefact. Un micro SingStar. C'est génial ça. En plus on peut interagir avec le micro. Excellent. Ouais, souvenir. Est-ce qu'on peut péter ce truc là et sortir par là? Non, on peut pas. Donc là 41 minutes et je suis toujours dans le premier des mondes, des 4 ou 5 mondes. C'est pas mal en fait, ça fait de la... Ça fait de quoi faire en fait. Oh merde. Mais non, mais je me fais avoir à chaque fois. Ah. Là, ça va demander un peu de technique. Bon, en tout cas, ça marche bien, hein, ce système-là de... Ah, il faut le... Non. Faut que je le... Non, c'est moi qui dois... C'est moi qui dois allumer les mèches, hein. D'accord, hein. Allez. Et voilà pour le premier monde. J'ai l'impression que c'est la fin du premier monde. Est-ce qu'il y a des trucs là derrière? Le joli boot screen de la PS2. Une PS2. Emotion Engine. Trophée obtenu. El famoso Emotion Engine. Ah ben voilà, le labo PlayStation, c'est d'accord, c'est ça en fait. Ça sert à récupérer tous les trophées. Ah, il en reste encore hein, des... D'accord, j'ai vraiment pas tout trouvé. Hein. Alors... Qu'est-ce que j'ai là? Nouvelle course disponible en place du CPU. Ok. C'était où le truc? Alors, je vais juste faire une toute petite pause pour voir si on peut pas installer un autre jeu, tant qu'on y est. Dirt 5, c'est fait.
Ah, je viens de piger pourquoi j'avais des erreurs. C'est parce qu'il faut le laisser s'installer tout seul, en fait, tout simplement. Donc, on a Federstein, on installe maintenant Spider-Man et on retourne à Astrod pour se faire un deuxième monde. Quelle heure il est? 11h52. On va se faire un deuxième monde et ensuite on ira manger. Ça, c'est le labo PlayStation. Et on verra ce qu'on se fait cet après-midi, je ne sais pas encore. Prairie de la Rame. Prairie de la Rame, je l'ai fait ça. Je crois. Non, c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Allez hop, Prairie de la Rame, c'est qui part. On va faire ça. On va se faire un deuxième monde. Et puis. Ah c'est mignon tout ça. Vallée venteuse. Et puis ensuite, la carte, qu'est-ce qu'elle me dit, d'accord. Et puis cet après-midi, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. J'ai plein de jeux à vous montrer, donc on va essayer de passer au moins 1h30 sur chaque jeu. Ah, il y a un truc là. Pas à quoi servent les pièces en fait, ouais, je regarde. Il y a des trucs planqués partout en tout cas. Hein. Ils se sont bien amusés. Et alors c'est un Français qui est à la tête du projet. C'est Doucet, je connais pas son prénom, je connais plus de son prénom. Et chez Sony Japan Studio, c'est lui qui a géré le projet. Je voulais en savoir plus. Il me semble que nos partenaires, je vais faire un petit peu de promo, mais nos partenaires Gamekult font ont une interview de ce monsieur qui arrive cette semaine sur le site, donc n'hésitez pas à aller soutenir nos partenaires. Pédale dans la mélasse hein, quand même là, un petit peu. Un truc là-dessous? Non, y a rien. Nouvel artefact, hein. Une manette PS1. Et là c'est Death Stranding évidemment.
Alors vous pouvez le voir, hein, c'est un jeu de plateforme, ouais, mais ils sont pas avares. Je veux un patch retour haptique sur Death Stranding pour la PS5. Ah ouais. Ah, oh, la souris PlayStation, bon sang. Bon sang. Qui l'a eu? Qui a eu cette souris? Ouais, non, je peux pas vous le dire. À l'époque, je n'ai pas eu cette petite souris. Il y a quelque chose là. Ah, c'est PSVR, ouais. C'est le PSVR. La première console Sony a été la Vita, donc nope. Ah ouais, la première console Sony chez toi, c'était la Vita. Ah oui. En effet, tiens, le nuage, il a une forme de manette. Rien là-dessous là. Maintenant je me méfie. Non, y a rien. Est-ce qu'on peut s'envoler là? J'ai pas l'impression qu'on peut s'envoler en fait. Non, j'ai pas l'impression. Ah là, c'est chouette en fait. Là, les retours haptiques, c'est vraiment des toutes petites touches. Parce qu'on a les gouttes de pluie qui tombent sur le parapluie. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on a quoi ici? C'est quoi ça? C'est The Last Guardian? Ouais, c'est peut-être The Last Guardian, ouais. Ouais, les retours à pic là sont sympas. Oh non. Je l'ai vu en plus. Je l'ai vu. Ah, puis c'est mignon, quand les gouttes tombent, voilà, j'ai vraiment plein de retours haptiques. Le même au quotidien, exactement. Comment tu sais? D'accord. Bon, on va éviter peut-être de mourir, hein. Oh non! Mais non, comment il m'a eu là? C'est pas possible! Je suis décalé sur le côté. Alors toi maintenant, j'ai évité de te... Oh! De tomber dans ton piège, mais a priori non. Bon, alors là.
Voilà. Mieux là, comme ça. Allez, une pièce ici. Ah, évidemment, quand je suis sous l'abri, j'ai plus de retour haptique. Forcément, classique. Oh, je l'ai vu sortir cette pique. J'ai vu sortir tes piques. Mais non, mais c'est pas vrai. Ah là. Prairie de la rame, pré-tracing. Ouais, ça doit avoir une utilité ce truc là. Ok. La musique t'en fout. Alors. D'accord. C'est un jeu de billes maintenant. On peut pas sauter? Non, on peut pas sauter un peu. Juste se déplacer. C'est Super Monkey Ball, ouais. Super Monkey Ball tactile. Oh là. Key zone. Vous voyez le petit jeu de mots. J'allais dire, mais comment on saute? Dépêche-toi. Alors ici, terminé de l'autre côté. Et là on s'englue. Faut y aller à fond, c'est ça? Faut y aller comme loin. Oh.
Oh là. Il y a un truc de l'autre côté, je sais pas comment on fait. Allez, vas-y. Je sais, c'est un peu infernal. Tempête électronique. Bon, j'ai zappé une des pièces de puzzle, tant pis. C'est pas grave. Allez. Est-ce qu'on s'enfonce si on reste trop longtemps dans le truc? Non, on s'enfonce pas. Je sais pas comment faire. Ah là, souffler dessus, ça marche pas. Faut parler très très fort pour que ça marche. Allô, ouais, spécial hein. Alors je pense que la soufflette doit marcher quand on fait ça dans le micro de la manette. Mais en tout cas sur celui de mon micro casque, ça n'est pas le cas. C'est mignon hein. Oh l'écran LCD de la PS1. Faut-il faire ici? Ah, il faut éviter. Alors toi, qu'est-ce que tu filmes? Une fémousse. Oh. Ça a été assez rapide. Oh non, mais je ne sais pas. Non. Faut que j'attende un peu. Ça marchera pas si bien.
Ah, le multi-tap de play. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est dans Astrobot je crois, hein, dans le truc VR, faudrait que je fasse un jour. Enfin, à ce qui paraît c'est vraiment exceptionnel. Hyper empoli, très bien. Niveau qui plaira à Pignouf. Pignouf, si tu me écoutes, je suis grand fan de Flipper. On va le laisser faire sa vie tout seul. Hein. Oh, reviens. Là, par là. Oh non. Alors là, je crois que c'est où? Il est où le truc? Zappé, c'est ça? Allez. Voilà. Ah, c'est dur. D'accord. Ah oui, là il y a des petits bumpers partout, c'est... Mais non. C'est pas... La surface tactile est pas très très grande, alors c'est un peu compliqué en fait à ajuster son... Eh non. Bon bah, on va éviter de mourir en boucle là-dedans, là. Ce refus du challenge. Oh là là, la PlayStation, quelle belle époque. Oh, mais il y a des trucs là. J'avais pas dit qu'il y avait des trucs ici. Bot Racer. Évidemment, à cette époque, la vieille télé, ouais. Ah, moi, j'ai des souvenirs, vraiment, très très bons souvenirs avec des potes à l'époque. Tiens, y a quoi, là? Ah, le truc pour gérer les sauvegardes. Avec le petit Neko, machin. Le 60 Hz en noir et blanc. Alors, en fait, il... En fait, qu'est-ce que je veux dire?
fait, maintenant, la Rolls des écrans, c'est le CRT finalement. Parce que tu as des CRT qui sont meilleurs, enfin, qui font des meilleures images que des LCD de 8. Voilà. Est-ce qu'on peut ouvrir ? Interagir, c'est quoi ? Interagir. Ah, et voilà. Ouais, encore, ouais. Alors, vous pouvez remarquer dans le coin là-haut à droite, hein, l'endroit où on mettait la pâte à fixe. Ouais, il y a eu un petit reportage chez Digital Foundry où il faisait des comparos sur des CRT 24 pouces, les derniers CRT 24 pouces qui étaient sortis, je crois que c'est les Sony d'ailleurs. Et en fait les images sont complètement maboules là-dessus en fait. C'est de super qualité quoi. Bon ben on est quoi, on a passé une petite heure et demie ensemble sur le jeu. C'est pas mal quand même. Je vais juste aller là-bas voir si je peux. Ben oui, c'est ça, on oublie qu'on est... Ben parce que on a que ça, quoi. Salut, Gacha. Nouvel artefact. Le micro de la PSP. Oh, mon Dieu, le micro de la PSP. J'ai jamais eu cet accessoire. Nouvel artefact. Hein. L'adaptateur réseau de la PS2. On jouera à Sackboy, je sais pas si on y jouera aujourd'hui. Je ne sais pas encore si on y jouera aujourd'hui, mais en tout cas, on jouera à Sackboy très vite. Hop. Une canette, ok. Tant pis. Tant pis pour ma gueule. Est-ce qu'il y a encore des choses à choper autre que... Ah oui, il y a quand même quelques petits trucs. Mystère et boule de bottes. Bon, ben on va s'arrêter là. Pour maintenant, on a rajouté tout un tas de trucs dedans, donc c'est chouette. En tout cas, je pense qu'il y a à faire dans le jeu. Hein. Sincèrement, je pense qu'on peut, aller sur les 4-5 heures en ligne droite, voire même plus. Hein. Voilà, ben on va s'arrêter là pour ce midi, puis on va se retrouver vers... 13, 30, 14 heures, 14 heures pour la suite, je ne sais pas encore ce qu'il y aura. Il y aura peut-être du Demon Soul, mais j'ai envie de le garder pour ce soir en fait. J'ai envie de faire du Demon Soul tranquillou ce soir, en pleine nuit. Donc voilà, il y aura sûrement autre chose en attendant Demon Soul, mais en tout cas il y aura du jeu cet après-midi. Ah, voilà, j'ai fini le deuxième monde. Voilà, donc on va s'arrêter là. Pour tout de suite, je vous souhaite un bon appétit, puis je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de nos découvertes. Je étonne Delva avec Spider-Man en 60 FPS. Ouais, bah, pourquoi pas. Hein. Bon app et à tout à l'heure hein, pour la suite de nos découvertes. Salut.